Bonsoir à vous toutes et à vous tous, merci d'être avec nous sur 01net TV. Bienvenue ici à Roland-Garros en direct pour un 01 live et d'eau exceptionnel. On va parler de sport mais aussi de high-tech. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Et oui, comme chaque année, on se retrouve à Roland-Garros. Ça fait déjà plusieurs éditions que l'on passe ici pour parler, alors pas tellement de tennis, faut bien l'avouer, mais toujours de technologie. Et oui, parce que ici, c'est un peu le labo de la télévision du futur. Et vous savez quoi ? Futur, télévision, c'est deux mots qui nous accrochent. Donc forcément, on va découvrir ça. Et nous sommes ici sur l'une des terrasses de France Télévisions. Et on remercie d'ailleurs France Télévisions de nous accueillir ici encore une fois pour réaliser ce live. Alors au menu, Jérôme, on va parler entre autres du futur de la télé. La TNT 4K arrive en Dolby Vision. Et oui, elle est dans les tuyaux ou presque. Et évidemment, ici, France Télévisions commence à faire des tests, des essais de capture, de diffusion, etc. Vous allez pénétrer dans les entrailles de toute cette installation assez hors norme, il faut bien le dire. Et pourquoi pas regarder un match aussi de tennis en réalité virtuelle avec votre masque chaussé sur la tête. On va en parler, c'est d'ores et déjà le cas si vous avez un smartphone, l'appli est disponible, on va en parler dans un instant avec notre invité. J'ai encore mieux François, non. Jouer au tennis en réalité virtuelle contre un adversaire qui se trouve n'importe où dans le monde. C'est pas vrai, si. Tu vas pas me dire que c'est possible. Vous allez voir dans un instant comment c'est possible, en effet techniquement c'est réalisable. Et puis alors c'est bien mais... On est ici, on veut quand même se connecter à Internet, hein, pour envoyer des photos, pour faire des Facebook Live, etc. Le problème, c'est que gérer des milliers, voire des dizaines de milliers de connexions comme ça avec son mobile, dans un lieu quand même assez étroit, c'est compliqué, non ? C'est compliqué, et puis il n'y a pas que ça, il y a également les pirates qui rôdent autour de Roland-Garros, les cyberpirates. Alors quel dispositif est mis en place pour faire face à cette menace ? Eh bien, on va en parler également avec l'un de nos invités tout à l'heure. Et puis Jérôme, tu sais quoi ? J'ai testé ici à Roland-Garros une voiture autonome. Mais une voiture ? Une voiture ! C'est pas le... Oui, d'accord. Une voiture autonome, c'est pas un joueur autonome, c'est une voiture. Parce que tu sais qu'ici, c'est aussi un peu le théâtre d'innovation technologique. Ah on présente des nouveautés vitrine, et j'ai testé une 3008 autonome. On verra ça tout à l'heure à la fin de ce 01 live. Tu vas me raconter ce que ça donne, si ça t'a fait des frayeurs ou pas. Non, ça va. Voilà, 01 live hebdo, comme chaque jeudi soir, mais dans un cadre exceptionnel. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est que vous pouvez interagir, comme d'habitude. Twitter, hashtag 01 live ou sur la page YouTube. C'est parti. Jérôme, notre question, 01net Orange. Comme chaque semaine. En plus, ça tombe bien parce que Orange, c'est la couleur de la terre battue ici. Donc, on s'est dit que c'était pas mal. D'accord. Oui. Voilà. Elle est bien. Elle est bien. Bon, comme chaque semaine, vous savez, on vous pose une question sur l'actualité. Vous nous donnez votre avis. Ça nous permet d'en discuter. Et aujourd'hui, eh bien, question. Est-ce que le sport, est-ce que les retransmissions sportives à la télé sont pour vous un prétexte pour dépenser des mille et des cents dans des équipements hyper high-tech, en l'occurrence pour passer à l'ultra HD. Enfin, cela dit, tu sais, ça coûte plus des mille et des cents l'ultra HD aujourd'hui. Hein. Oui, on a des télés pas trop chères, mais est-ce que justement ce type d'événement sportif vous donne envie, allez, de laisser un petit billet pour vous changer la télé, prendre de l'ultra HD ou de la 4K ? Dites-le nous, c'est notre question 01net Orange de ce jeudi soir. Pour voter, www.01nettv.com. Et nous vous présentons tout de suite nos invités. Bernard Fontaine, bonjour. Bonjour François. Bonsoir Bernard. Bonjour Jérôme. Si nous sommes ici ce soir, c'est grâce à Bernard qui nous enverse sa terrasse privée. Enfin non, j'exagère un peu quand dans même. Dans le 15e arrondissement, dans le 16e arrondissement. Comme chaque année. C'est tout simplement la terrasse de la zone TV, là où se passe toute la production de nos programmes consacrés au tennis. Et c'est avec plaisir qu'on vous accueille cette année sur cette terrasse. Voilà, alors je sais pas si Pierre peut faire un petit plan de tout ce qu'il y a derrière là. Enfin, vous voyez la vue qu'on a plongeante sur l'une des allées principales en fait de Roland-Garros. C'est impressionnant. Ah bah là, on est vraiment... au cœur du dispositif. Juste derrière nous, c'est quoi Bernard ? Alors là, on a le court Châtrier, qui est le court principal, hein, sur lequel se disputent les demi-finales et les finales de ce tournoi. Donc c'est le court emblématique, voilà, bien sûr, véritablement de Roland-Garros. Et là, vous voyez, voilà, on est devant ce fameux court qui est superbe. Les matchs sont terminés là ou ça marche encore les, les matchs se terminent dimanche, la finale homme. Non mais là, à cette heure-ci, il y a encore les matchs. Les matchs ont lieu en permanence. Il a compris que toi et le tennis, c'était pas exactement ça. Et hein, pourtant, tu sais, tu te détrompes-toi, j'adore le tennis. Non vraiment, franchement. Et on a vu tout à l'heure, voilà, c'était en ce moment, je crois, la demi-finale dame. Hein. Non, pas encore. Voilà, j'étais bon. Alors. Voilà. C'était le quart. Alors. C'est bien parti. Mais c'était bien placé en tout cas. Oui, oui, oui. C'était bien. Jérôme. Oui. À côté de Bernard, nous avons un autre invité. Exactement. Qui... Et c'est Yvan Delegue. Bonjour.
Voilà. Je suis ravi d'être là. Et vous développez alors aussi parallèlement à ce que fait France Télévisions, on va y revenir dans un instant, pas mal de nouveautés, et notamment un concept d'holotennis. On va en parler dans une minute. Vous restez avec nous, bien évidemment, Mathieu, mais Yvan, pardon, mais Bernard, un mot quand même sur toutes ces innovations que vous présentez ici, il y en a quand même pas mal. Hein. Et on va parler de alors, cette année, c'est quoi l'actu technologique pour France Télé à Roland-Garros? Alors, bah, c'est une continuité pour nous, parce que chaque année, effectivement, on présente des technologies. On veut tester les technologies ici. L'avantage de Roland-Garros, c'est que nous sommes présents pendant 15 jours, et l'ensemble des équipes techniques qui sont présentes ici ont le temps de tester les choses. Donc, c'est un savant dosage entre ce que l'on peut faire, ce que l'on sait faire, et ce que nos partenaires savent faire également. Alors, les partenaires vont des start-up, en passant par les grands constructeurs de télévision, par exemple, aux industriels qui nous amènent énormément de capacités techniques. Ou CES hein, ici. Il y a des écrans partout. Il y a des écrans partout et en tout cas on les utilise et on utilise vraiment ces écrans-là jusqu'au bout de ce qu'ils savent faire. Et donc cette année, cap sur l'Ultra HD. Alors c'est ça, cap cette année sur pas mal de choses, cap cette année sur l'Ultra HD bien entendu pour la cinquième année. On a testé il y a quelques années, les tout premiers débuts de l'Ultra HD ont lieu ici, en vraie première mondiale d'ailleurs. Alors, Ultra HD et puis après Ultra HD TNT. Alors, Ultra HD qui était diffusée, elle a toujours été diffusée sur la TNT et sur le satellite, sauf que la première année, elle n'était pas en direct. On ne savait pas faire de direct en 2013 en l'occurrence. En 2014, 2015 et 2016, on a à nouveau fait de l'Ultra HD. On a testé à chaque fois des technologies différentes, la capacité justement des industriels à savoir faire du direct avec des équipements de direct. Et depuis deux ans, on teste l'Ultra HD pour tester une technologie qui sublime l'image, qu'on appelle le HDR, et qui permet d'avoir une image de très très haute qualité et améliorer vraiment le rendu colorimétrique des images TV. Alors, bien évidemment, on va en parler tout à l'heure avec notre invité qui est de chez Dolby. Parce de chez Dolby, en plus, bien entendu. Dolby Vision qui arrive. Et s'adapter à l'actualité des constructeurs de télé qui intègrent ces technologies-là au sein de leur télé. Là, les télés qui sont là, justement, sont compatibles avec ces technologies. Bien sûr, elles le sont, oui. Voilà, c'est en l'occurrence la marque LG. Hein, j'adore cette image, hein. On dirait que c'est nous qui disputons la finale. Hein. Ouais, c'est formidable. Tu sais qui gagne? Non. Tu sais qui perd. On va parler aussi de la réalité virtuelle. Alors, il y a des masques partout ici. On parlera de la réalité virtuelle parce qu'une production en réalité virtuelle a lieu, c'est tout simple. Hein. Vous allez sur les stores de vos smartphones préférés, chez Apple ou sur le store Android. Vous cherchez tout simplement une application relative à ce service. Ça s'appelle Roland-Garros, facile à se rappeler, oui, VR, parce que c'est de la VR, Roland-Garros VR, et vous trouverez une application. Alors là, c'est formidable. Si vous n'avez pas la chance, parce que vous êtes des privilégiés, on vous invite aujourd'hui, mais il y a des millions de personnes qui ne peuvent pas venir ici, et bien tout simplement, avec leur téléphone, comme si elles y étaient. Elles y sont, et mieux qu'elles d'être à Roland-Garros. Elles sont sur le stade, elles sont exactement sur la terre battue. Alors, donc voilà, un emplacement privilégié. Je ne sais pas si on a des images de ce pour voir le tennis, avec des angles de vision intéressants. Donc on a installé des caméras Ça, c'est l'application, donc c'est Roland-Garros VR. C'est la salle des cuisines qu'on a aperçue d'abord. Vous choisissez une de nos quatre caméras, soit des caméras 360 pour avoir une vision panoramique, soit des caméras qui sont à 180 degrés, donc qui vous permet d'avoir une vision quasi humaine, à droite et à gauche. Et là, c'est en temps réel tout ce qu'on voit. C'est en temps réel. C'est pas une photo, hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Non, c'est en temps réel. Hein. Toute une équipe est là pour gérer tout le processus technique de diffusion, parce que c'est la diffusion. Et bien entendu, pour les directs, cette technique est mise en place, mais les directs ont un temps limité. En fin d'après-midi, les directs s'arrêtent. Et vous pouvez retrouver sur cette même application l'intégralité des matchs qui ont eu lieu sur le cours Châtrier et les retrouver, trouver les grands moments de cette compétition. Donc soit on est dans une loge hyper luxe, etc. Et on a mieux que ça, vous êtes en 2025 déjà. Parce que cette loge-là a été, la charte graphique a été fournie par les architectes de la Fédération de tennis. Et on a eu la chance de pouvoir habiller cette loge dans une charte graphique qui sera telle qu'elle sera en telle qu'elle sera les années à venir quand le stade sera reconstruit et sera rénové. Formidable. Ou bien on peut se projeter directement dans les tribunes. Se projeter dans les tribunes, on peut faire une foule de choses à découvrir bien sûr dans cette application-là. On a même la possibilité de retrouver des reportages qui sont faits par une de nos équipes ici qui est présente. Et Nathalie Dubose, notre GRI, tourne ici tous les jours. Et elle fait tous les jours des petits reportages pour voir le côté les off de Roland-Garros, ce qu'on ne voit pas à la télé, pour vous expliquer toutes les coulisses de Roland-Garros et en VR. Et alors Bernard, ça marche bien sûr en parcourant l'écran, hein, tactile, mais si on a un masque VR, alors, bien sûr, si là on, a... on est vraiment
immergé dans l'image. Et, et quel que soit le masque VR, parce que vous savez que les masques VR, il y a différentes technologies, donc d'un des plus complexes qui est un masque VR dans lequel vous allez pouvoir bénéficier de la totalité de l'application, notamment par exemple le masque de chez Samsung, le Gear, qui est un masque sophistiqué. Maintenant, si vous n'avez pas ce masque-là, vous pouvez tout simplement avec un cardboard, donc un masque en carton, vous avez peut-être eu dans un jeu, vous avez gagné, vous avez peut-être acheté sur Internet, ça vaut quelques euros, pouvoir également avoir la même expérience, alors moins qualitative naturellement que sur un masque comme celui dont je parlais, mais vous avez à peu près la même expérience. Et ça marche pas mal. Et à la fois sur iOS et Android. iOS et Android, les deux OS fonctionnent bien sûr. Voilà, et l'appli s'appelle comment ? Roland Garros VR. Tout simplement, donc vous tapez Roland Garros VR dans les différents stores, vous la téléchargez et vous allez pouvoir vivre gratuitement en plus. Alors c'est complètement gratuit, bien entendu. Totalement gratuit pendant cette quinzaine. Et après Roland Garros, les directs seront arrêtés, mais vous pourrez retrouver les replays, les meilleurs moments de cette compétition. Mais Bernard, c'est pas un peu gadget quand même la VR ? Est-ce que franchement, dans 10 ans, on regardera des matchs de tennis comme ça, avec un masque ou en réalité virtuelle ? Comment vous imaginez le futur ici à France Télé ? C'est une réponse qui est quasi impossible. En tout cas, une chose est certaine, c'est que la population, on a la chance d'avoir les visiteurs de tout âge. J'aurais dû donner la photo à votre réalisateur, mais vous auriez vu une chose, les enfants en dessous de 15 ans, ne regarde pas la télé. Elle est en 4K, elle est en HDR, elle est en ce que vous voulez, ils préfèrent le VR. Et ça, c'est un signe peut-être d'une génération qui préférera une expérience totalement différente de ce que nous on connaît, de ce que nous on apprécie. Mais en tout cas, les photographies, tous les ans, on les prend, d'adolescents, d'enfants, qui demandent, monsieur, je peux tester ? Ah, j'adore, et ils se le passent entre eux. Donc cette génération de personnes qui apprécient le sport, le côté très ludique de ces applications-là est réel, et l'usage de ces casques-là est un usage qui n'est pas là pour remplacer du tout la télé telle qu'on la connaît. C'est un vrai complément, mais dans lequel on doit amener une expérience nouvelle, c'est-à-dire trouver quelque chose de nouveau. Et le fait de se projeter, d'être téléporté ici dans le stade, c'est une véritable expérience. Très bien. Vous restez avec nous, Bernard Fontaine. On a d'autres thèmes à aborder, évidemment. Vous savez que vous pouvez interagir, nous poser vos questions, faire vos commentaires en direct sur Twitter. On nous regarde depuis le Sénégal. Alors, salut au Sénégal. La classe. Hein. Salut. Et alors, donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de partie de tennis virtuelle, François ? Eh bien, ça s'appelle Holo Tennis, et c'est notre invité qui nous en parle. Holo Tennis, donc, c'est développé par Orange, c'est ça ? Oui, alors c'est un concept complètement innovant. C'est même une première mondiale qu'on a conçue et développée en partenariat avec des startups. Et donc, on a conçu cette expérience de communication immersive dans le cadre de notre partenariat innovation ici à Roland-Garros. Donc, on fournit un certain nombre d'expériences, mais en particulier, on travaille sur les usages de demain au Technocentre, puisque moi je travaille au Technocentre et c'est l'entité qui délivre l'innovation pour les pays du groupe Orange. Mmh. Et là, alors, on a travaillé vraiment sur ce que nous on pense être les services de communication de demain. Alors décrivez-nous les images qu'on est en train de voir. C'est on voit ce monsieur avec son masque qui est en train de se. On a l'impression qu'il est en train de couper de l'herbe, mais non, il joue au tennis. Non, il joue au tennis et il joue pas tout seul, puisqu'en fait on a deux stands ici, un Place des Mousquetaires et un autre au RG Lab, identique. Et donc on a deux joueurs. Deux personnes qui jouent simultanément ensemble. Chaque personne, vous le voyez ici, donc utilise un casque HTC Vive. Alors qu'elles sont à deux endroits différents. Voilà, elles sont à deux endroits différents. Elles sont là à quelques dizaines de mètres, mais elles pourraient très bien être chacune à l'opposé, à l'autre bout du monde. D'accord. Il suffit de chausser son casque HTC Vive pour être immergé dans un environnement complètement virtuel, en l'occurrence ici, le court Philippe Châtrier. Et chaque personne est filmé par une caméra Kinect de profondeur. Donc on filme l'image live de chaque personne et on découpe un hologramme qu'on réinjecte dans l'environnement virtuel. C'est-à-dire que la personne qui aura ce masque jouera contre un ami, qu'il verra vraiment. Exactement. Et qui sera, on va dire, modélisé en 3D. Alors, en temps réel. On ne peut pas le toucher, hein, mais on le voit, on voit la vraie image, comme si on était là. On n'a pas le retour de force quand on reçoit la balle sur la raquette, si. Alors, avec HTC Vive, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une petite vibration quand on tape sur la balle, donc ça donne vraiment un effet quasiment réel. Tous les gens qui ont testé, là, il y a plus de 2000 personnes qui ont testé depuis le début de la quinzaine. On a que des retours vraiment très enthousiastes. Et ils ont vraiment le sentiment de jouer ensemble. Ils peuvent aussi se parler, puisqu'on utilise le micro du HTC Vive. Il y a peu d'expérience HTC Vive qui utilise le micro. Ce qui fait qu'encore une fois, vraiment, c'est comme si de chez moi, j'avais réservé un cours, le Châtrier, j'avais réservé un cours avec un ami ou un prof,
puisque demain, peut-être qu'on va réserver un cours avec un prof qui est à distance. On peut imaginer un cours à distance comme ça ? Oui, absolument, absolument. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que... Un cours de tennis au milieu de ton salon, par exemple. Exactement. Il faut enlever les bibelots autour. Alors, il faut avoir surtout en porcelaine, hein, ou alors tu mets que les trucs en caoutchouc. Il faut avoir un peu de place, mais si en face on a un prof, il va pouvoir vous dire, ben, là tu as préparé trop tard, là ton plan de frappe il n'est pas bien. Mmh. Donc on va pouvoir, demain, là c'est une première expérience, hein, mais demain on a des idées pour vraiment aller encore plus loin et travailler justement ce côté entraînement. Ce qu'on a pu voir sur des consoles de jeu. Alors on n'avait pas l'immersion totale en réalité virtuelle avec le masque, mais... Voilà. On avait ce principe de tennis virtuel quand même. Oui, mais là, au-delà, avant d'être un jeu, encore une fois, c'est vraiment un service de communication. Et c'est ça qui nous intéresse. Là, on l'a habillé. Oui, en quoi ça intéresse Orange, cette histoire-là, au fond? Là, on l'a habillé sous forme d'un jeu de tennis. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la brique technologique qu'on utilise. D'ailleurs, elle est issue d'une start-up qui s'appelle Mimesis, qui a été primé et qui a eu le grand prix du jury au dernier festival Laval Virtual. Donc la prouesse technologique de cette start-up, justement, c'est de fabriquer un hologramme vidéo live et de le réinjecter dans un environnement virtuel. Et ça nous intéresse parce que demain, on va pouvoir adresser d'autres cas d'usage que le sport ou le tennis. Deux professionnels qui sont à distance, qui veulent travailler sur un document, un PowerPoint, vont chausser leur casque, vont se retrouver autour d'une table et vont pouvoir travailler ensemble. Ils vont pouvoir prendre le plan, l'agrandir, le réduire, dessiner sur une feuille. Parce que ce qu'on a aussi inventé, c'est une innovation dans l'innovation. À la fin de l'expérience, si on a un joueur connu, eh bien sa raquette se transforme en stylo. Et cette photo qu'on a... fabriqué au début de l'expérience se retrouve au milieu du terrain, le joueur signe met un autographe sur cette image et à l'issue de l'expérience on imprime l'autographe à la personne qui a vécu cette expérience avec ce joueur pro. Donc on a inventé l'holographe. Et donc c'est ça qui nous intéresse, nous, c'est vraiment cette fonction collaborative au sein d'un environnement immersif qui demain va s'appliquer à la formation et à de domaine B2B. B2B, mais B2C aussi ? Oui, demain, je vais pouvoir peut-être... En fait, c'est du jeu vidéo en réseau Vive, via l'HTC Vive, non ? Encore une fois, c'est pas que j'aime pas le mot jeu, hein. Mais demain... Non, mais cet exemple-là. Là, c'est un jeu. Mais demain, je pourrais être chez moi. J'ai une personne de ma famille qui est à 12 000 km. Ouais. On chausse le casque, on se retrouve assis sur le même canapé. Là, Bernard, je le verrai comme je le vois aujourd'hui. C'est une visioconférence, mais tellement immersive qu'on a l'impression d'avoir les gens autour. Voilà, c'est formidable. La capacité à rapprocher des personnes alors qu'elles sont absolument pas dans le même lieu. Aujourd'hui, il faut des capteurs, il faut l'HTC Vive qui coûte une blinde, hein, quand même. Ça coûte encore cher tout ça, donc il faut démocratiser, miniaturiser. Voilà. C'est pour ça que c'est pour l'instant une expérience. En effet, le dispositif HTC Vive coûte un peu cher. Autour des 800 euros. Il faut un PC, un peu de compétition, comme on dit. Voilà, c'est ça. Il faut la caméra Kinect. Voilà. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore quelque chose qu'on va trouver demain dans le commerce, mais on y travaille et on espère bien en faire un produit Orange à valeur ajoutée. Très bien. Holo Tennis, donc, à découvrir ici, jusqu'à la fin du tournoi. Jusqu'à dimanche. Parfait, c'est merci. Ouvert et on merci Yvan. Les utilisateurs volontiers. Merci Yvan. Merci. Oui. Juste pour terminer cette petite séquence sur l'Ultra HD, chose très importante qu'on a pu évoquer. Alors on va en parler dans un instant, l'Ultra HD, avec notre invité Dolby, hein, donc c'est pour ça. Hein. Comment capte-t-on l'Ultra HD? Comment la reçoit-on? Ah oui, pas mal. C'est pas mal comme... Oui. comment je fais aujourd'hui pour regarder l'Ultra HD? C'est super simple en fait. Hein. Si vous avez votre antenne râteau, eh bien, vous rescannez vos chaînes. Alors, évidemment, vous devez avoir un téléviseur Ultra HD. Vous le recevez. Alors, Paris, la région parisienne, cette mission a été confiée à TDF. TDF a mis des émetteurs sur la Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel est un émetteur qui est dans le centre de Paris. D'accord. Et qui diffuse sur toute la Paris et la région parisienne. Mais Paris n'est pas la France, Bernard. Paris n'est pas la France. Le reste de la France, eh bien, c'est... Notre auditeur à Dakar, il va s'embêter. C'est une solution. Alors, pour Dakar, je pense que ça ne fera pas. Mais pour le reste de la France, c'est très simple. Le satellite, ça marche super bien pour l'Ultra HD et on a confié cette tâche de diffuser sur toute la France par les émetteurs qui sont sur le satellite de Fransat. Et Fransat diffuse pour tous les Français qui paient d'une parabole ce programme pendant 4 jours et lui aussi gratuitement. La TNT 4K, on en parle dans un instant avec notre autre invité puisque maintenant arrive le Dolby Vision. Merci beaucoup. Oh.
Voilà, nous sommes toujours ici en direct depuis Roland Garros pour vous faire vivre un spécial 01 Live Hebdo qui mêle technologie et sport. Sur la terrasse de France Télévisions qui nous accueille et nous recevons Anaïs De Bolt. Bonjour. Bonjour. Bonjour Anaïs. De la société Dolby. Tout à fait. Alors moi, Dolby, ça me fait rêver quand on va dans une salle de ciné. Voilà, Dolby Atmos, Dolby Vision, on s'en prend plein les yeux, plein les oreilles. Et alors Dolby arrive, on le voit, sur les petits écrans, sur les smartphones. On a vu lors de ces derniers salons des smartphones Dolby Atmos, etc. Maintenant, on voit des télé Dolby Vision, notamment avec LG. Et on peut voir donc, en expérimentation, hein, Bernard, c'est ce que vous nous disiez il y a un instant, de la TNT 4K en Dolby Vision, c'est ça Anaïs? Oui, tout à fait. C'est une première mondiale pour nous, en fait. C'est une première mondiale ici? Exactement, de pouvoir faire dans live du Dolby Vision. Puisqu'on l'a fait, on l'a fait en Blu-ray, au cinéma, en OTT, et donc c'est la première fois qu'on peut le faire en live sur le terrestre et le satellite. Alors qu'est-ce que ça apporte le Dolby Vision? Donc c'est un format de HDR, il y en existe plusieurs aujourd'hui, donc c'est un des formats de HDR. La particularité du Dolby Vision par rapport à ce qu'on appelle le HDR10, qui est le HDR générique, c'est d'avoir des métadonnées dynamiques qui vont décrire à chaque instant le contenu et qui vont optimiser le rendu sur le téléviseur pour qu'on ait toujours les bonnes couleurs, les bons contrastes, la bonne luminosité. C'est-à-dire qu'on va avoir une image qui va être sublimée, c'est ça? Voilà. À l'instant T. Tout à fait. D'accord. En direct, scène par scène. On n'a pas une adaptation du contenu une fois pour toutes sur l'écran. Scène par scène, on va avoir le meilleur rendu de l'image. Mais vous dites c'est... une déclinaison de HDR, c'est pas un problème ça que finalement on soit en train de fractionner cette caractéristique technique? Ça veut dire que concrètement, Dolby Vision ne peut pas être disponible sur tous les téléviseurs? Dolby Vision peut être disponible sur tous les téléviseurs, c'est au choix de chaque fabricant d'intégrer ou non cette technologie. On le trouve où aujourd'hui? Aujourd'hui, on le trouve sur ces téléviseurs LG, on le trouve chez Sony, on le trouve sur d'autres téléviseurs en Chine, sur Vizio aux États-Unis. Effectivement, tout le parc n'y est pas, il y a quand même déjà beaucoup de téléviseurs sur les modèles de cette année qui l'intègrent. Après, c'est chaque fabricant fait le choix en fonction du marché. On va pas se mentir, en fait, Dolby a une aura extraordinaire en matière de son et on sent que là, il y a une volonté d'essayer d'aller grignoter un petit peu aussi du côté de l'image en capitalisant sur cette excellente image de marque. Est-ce que vraiment vous allez y parvenir? Pour vous donner une idée, ça fait 15 ans que Dolby fait de la recherche en images, donc c'est pas non plus tout nouveau, il y en a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent dessus. Il y a aussi tout ce qui est passé dans le cinéma, donc toute la 3D Dolby qui existe depuis longtemps, avec les lunettes, là, et puis tout ce qui est aussi projecteur au niveau des serveurs de cinéma, le dialogue, le projecteur. Donc c'est pas non plus tout nouveau pour Dolby. C'est vrai que c'est nouveau pour la vidéo dans le grand public. Totalement. Bernard, techniquement, ça veut dire qu'il faut des caméras spéciales, il faut... qu'est-ce qu'il faut comme appareil pour que l'image finale soit compatible Dolby Vision? Oui, bien sûr. Il faut des caméras particulières. Bon, les caméras qui sont installées sont des caméras de qualité broadcast. Hein, ça ne se fait pas avec des caméras de public. Donc ce sont des caméras broadcast. Les fabricants de ces caméras-là ont prévu l'arrivée de cette technique HDR et font en sorte de sortir un signal qui est à cette norme HDR. Bien entendu, en fonction des différentes solutions HDR dont Anaïs parlait, il est nécessaire de mettre derrière ces caméras-là des équipements de traitement. Alors, ces équipements de traitement proviennent de chez Dolby lorsqu'il s'agit de faire du Dolby, proviennent d'autres sociétés quand c'est une autre technologie. Et derrière, on fait un processus d'encodage. Alors on a la chance d'avoir en France des grands experts de l'encodage. Je pense particulièrement à ATEM. ATEM est une société française qui excelle vraiment dans ce métier. Et Dolby, l'américain Dolby, la société américaine Dolby a confié le soin d'intégrer cette technique dans cet appareil qui est le cœur du réacteur, c'est-à-dire l'appareil qui va compresser le signal et permettre aux émetteurs de le traiter, eh bien cette société ATEM a mis en place là 5 encodeurs permettant de faire ce traitement. Ce qui nous permet donc d'avoir de la TNT 4K et du Dolby Vision cette année. TNT et satellite cette année, voilà. H24, et pour voir la différence de qualité, comment fait-on? C'est tout simple, on zappe avec sa télécommande sur la chaîne qui est nommée 81 ou la chaîne 82, on a deux qualités différentes. Soit avec un effet HDR, sans cette optimisation HDR. Et pour le satellite, une chaîne s'appelle la chaîne 444 ou la chaîne 445. Et on peut, à la maison, comparer les deux qualités. Anaïs, est-ce que tous les programmes sont peuvent être Dolbyisés? Par exemple, un JT, ça n'a pas de sens, non? C'est que des grands événements du cinéma et des événements sportifs.
j'imagine. Alors, c'est vrai qu'une technologie, c'est un outil de création et c'est au créateur de décider si ça a du sens ou pas. Pourquoi pas faire un JT en HDR? Je pense qu'il faudrait refaire beaucoup de choses sur les plateaux. D'accord. Mais est-ce que ça apporte quelque chose au contenu? Ça, c'est une décision éditoriale. Je voulais souligner aussi quelque chose, c'est que la façon dont le Dolby Vision est diffusé ici fait qu'on est rétrocompatible avec ce qu'on appelle le HDR10. Donc, les téléviseurs qui n'ont pas le Dolby Vision mais qui ont le HDR10 profitent malgré tout d'une amélioration d'image. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc si vous avez une télé ultra HD, donc compatible 4K, vous êtes à Paris, vous rescannez la TNT, vous trouverez donc la retransmission de ces matchs jusqu'à la finale en 4K. Comme ça, vous verrez véritablement ce que sera le futur de la télé, hein, Bernard. Et si vous bossez aujourd'hui, si vous bossez demain, cette diffusion est H24, c'est important à souligner. Donc il y a des replays tout, à fait, tout au long de l'année. Jour, c'est vraiment un spécial Roland-Garros, nuit et jour, sur la TNT, sur le satellite. Parfait. François, faisons un petit tour du côté de la question 01net Orange. La question d'actualité qu'on vous pose cette semaine, c'est le sport à la télé est-il un prétexte pour passer à l'ultra HD? Voilà ce que ça donne. Oui à 42%, non à 58%. Ah, bon, c'est assez partagé quand même. C'est assez partagé, ouais, tout à fait. Ouais. Pourtant, on sait, Bernard Fontaine, que les grands événements sportifs sont des fabuleux accélérateurs, des amplificateurs des ventes de matériel, d'équipement en règle générale. Ça l'a toujours été. On voit très bien les grandes années de grands événements sportifs. Alors Roland-Garros en est un, mais je pense quand les années se complètent, par exemple, par les Jeux Olympiques, les constructeurs de télé sont unanimes à dire que les ventes de télé explosent dans le bon sens en termes de business, les personnes... les téléspectateurs profitent de ces grandes occasions sportives généralement pour renouveler leur équipement pour le compléter. Oui, c'est même du x2, x4. Oui, c'est très important, bien sûr. C'est extraordinaire. 2024, c'est dans 7 ans. Alors, je ne sais pas dans 7 ans ce qui se passera. Je ne sais pas si les Jeux Olympiques auront lieu à Paris. On l'espère tous, bien entendu. Ce sera certainement une occasion également, cette fois-ci, de tester d'autres technologies. Mais on n'est pas encore en 2024. Et quand va arriver la 4K, alors, à la télé, pour tout le monde? Parce que là, c'est bien beau ces expérimentations, mais il faudrait que ça dure un petit peu plus longtemps que Roland-Garros. Alors, pour l'instant, c'est Roland-Garros. Pour l'instant, nous effectuons encore des tests techniques. Il y a encore pas mal de choses à tester. On est quasiment prêts. Ici, à France Télévisions, les cartes de télé que vous avez vues en bas, certains d'entre eux sont bien sûr parfaitement compatibles 4K. Les cartes de télévision de production sont pensées et prévues pour pouvoir gérer ce format 4K, qui aujourd'hui devient un format unanimement... plébiscité par l'ensemble des professionnels. Pour une généralisation encore de la 4K en diffusion, à la télé. En diffusion, ça dépend de beaucoup de choses. Ouais. L'équipement des parcs de téléspectateurs progresse d'une façon très importante. Aujourd'hui, c'est près de 2 millions de téléviseurs, 3 millions je crois maintenant de téléviseurs qui sont déployés sur le marché français, j'entends. Maintenant, le reste des installations techniques doivent être mises à niveau. Parce que la 4K, c'est une technologie en tant que telle. Donc, oui, c'est des investissements lourds. Des investissements qui sont très lourds, naturellement. D'accord. Et donc, il est nécessaire de faire de la 4K, dans un premier temps, de tester les technologies, de bien se mettre d'accord sur les solutions techniques, et ensuite de décider de la stratégie à mettre en place. Des moyens de diffusion technique, ils sont nombreux. On peut diffuser de la 4K sur le satellite, on le voit pendant ces 4 jours. On pourra le faire sur la TNT. On peut le faire naturellement sur d'autres réseaux. Je pense au câble et à l'IPTV, la fibre optique naturellement. Évidemment. Et les réseaux télécoms qui eux-mêmes n'ont pas dit leur dernier mot. Puisque les solutions télécoms extrêmement performantes arrivent, permettant également de diffuser ce genre de... Et quand on y a goûté, on a du mal à revenir en arrière. Hein. Ça, c'est clair. On a vu une démo tout à l'heure. Ouais, ça, c'est impressionnant. On trouvait même que la HD était, moche. Du VHS. La HD paraissait moche. Ça fait flipper quand même. À côté de la 4K pour du tennis. Non, mais finalement, c'est vrai que c'est presque l'OTT qui est en avance, quand on voit qu'aujourd'hui Netflix sur une télé 4K propose des contenus 4K de manière transparente. Hein. Finalement, c'est l'Internet va plus vite que les broadcasts traditionnels, finalement. Alors, pour la 4K. Là, si on parle de Netflix, on parle de services qui sont des services non linéaires, hein, c'est des services on demand. Oui. Ce qui est fait aujourd'hui et ce qui est très complexe à faire, c'est le direct, c'est le direct aujourd'hui qui est effectué par des chaînes comme les nôtres. Il y a autre chose qui est très difficile à faire, c'est d'assurer la connectivité, la sécurité pour ce genre d'événement. Et quand on est ici à Roland-Garros, c'est qu'on veut se connecter. Et on en parle tout de suite avec notre invité. Et comme nous sommes en direct, comme d'habitude, vous pouvez réagir à la fois sur notre page YouTube hein, durant le live et puis aussi sur Twitter avec le hashtag 01Live. Nous accueillons Hervé Delin, bonjour. 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 De la société Efficiente IP. Exactement. Alors, Hervé Delin, vous faites partie de ces gens qu'on ne voit pas forcément, qui sont
moins dans la lumière que les gens de télévision, forcément, mais pourtant dont le rôle est très important. Vous occupez notamment de la... Alors, il y a deux choses. D'abord, on l'a tous testé dans ce genre d'événement. Il y a des centaines de personnes. On veut tous se connecter en même temps. Et bah, parfois, on n'y arrive pas. Ou alors, quand on y arrive, c'est difficile, quoi. Donc, exactement, pour arriver à faire cette émission, il y a forcément de l'infrastructure réseau informatique qui est utilisée. Vous êtes, je crois, 2000 journalistes qui sont accrédités pendant le tournoi. Il y a 40 chaînes de télé. Je ne sais pas combien vous avez amené d'ordinateurs que vous avez connectés sur le réseau. Voilà, nous, on en a deux palettes, mais bon, c'est un cas particulier. Et que vous. Et que vous. France Télévisions en a plus. Donc, c'est énormément de matériel informatique qui viennent se connecter sur le réseau de Roland-Garros. Donc, ça génère un problème de performance. Il faut assurer la performance à l'accès vers l'Internet pour pouvoir broadcaster vos émissions, pour que les photographes puissent envoyer leurs photos dans les rédactions, que les joueurs puissent tweeter. Donc, il faut supporter cette charge. Et puis, qui sait, le PC que vous utilisez la semaine dernière, vous étiez peut-être, je sais pas, en Chine, invité quelque part. Est-ce que ce PC n'aurait pas quelques malwares ou virus d'installer ? Oh non, quelle horreur. Donc, le problème, qui pourrait contaminer les infrastructures de Roland-Garros. Et pourquoi pas impacter tout le réseau qui tourne pendant le tournoi. Donc un des challenges de Roland-Garros, c'est pendant ces deux semaines d'assurer la performance et la sécurité. Mais la performance et la sécurité pour qui ? Pour tous les visiteurs ici ou pour des personnes ciblées ? Alors, tous les gens qui vont pouvoir se connecter, par exemple, sur les hotspots Wi-Fi, pour tous les journalistes, vous savez que sur un lieu comme ici, comme Roland-Garros, il y a 10 000 prises réseau. Hein. Il y en a qui sont cachées à des endroits, vous imaginez même pas. Mais dans les fosses, pour les photographes, il faut bien qu'ils envoient leurs photos très rapidement. D'accord. Donc les gens qui se connectent sur le réseau Wi-Fi, les professionnels comme vous, tous les journalistes, les VIP, c'est-à-dire les joueurs, leurs familles, les coachs, tous ces gens-là veulent avoir accès à Internet, à des applications spécifiques. Et on peut gérer un Wi-Fi avec 10 000 personnes comme ça installées dans un central, ça marche aujourd'hui ? On peut le faire. Ce qu'il faut, c'est avoir des composants réseau qui soient capables de supporter des charges énormes pendant des laps de temps qui sont très courts, parce que pendant 15 jours à Roland-Garros, il y a un nombre effroyable de personnes qui se connectent. C'est comme au Stade de France durant un concert ou un match de foot. Quoi. Exactement, vous avez énormément de personnes dans un laps de temps très court. Et puis après, il n'y a plus personne. N'empêche qu'il faut assurer la performance, parce que le joueur qui veut tweeter, qui ne peut pas tweeter, ça va l'énerver, ça ne va pas donner une bonne image du tournoi. Comme il sera énervé, il risque de perdre. Ça va l'énerver. Donc ça vous fait plus. Quand même beaucoup de responsabilités. C'est à éviter. Et puis, il y a le problème de la sécurité. Il y a des milliers de PC qui vont se connecter par des professionnels comme vous. Alors, vous en rencontrez des problèmes comme ça de sécurité ? Il y a des... Roland-Garros est attaqué en permanence. Hein. Mais comme tous les grands événements sportifs qui ont des sites web, c'est attaqué en permanence par des gens malveillants. Hein. Mais il y a des problèmes aussi qui viennent de l'intérieur. C'est-à-dire, vous arrivez avec un PC, vous ne savez pas, il y a un malware qui a été installé, il y a un virus. Je peux diffuser sur le réseau comme ça ? Vous pouvez diffuser. Et puis, ces malwares peuvent très bien se connecter et puis prendre de la donnée et puis l'exfiltrer vers l'extérieur de Roland-Garros. Donc Roland-Garros se doit d'assurer la sécurité pour assurer l'accès à toutes les applications pour tous les professionnels, pour tous les gens qui vont se connecter, et aussi la sécurité pour pas qu'il y ait d'informations qui sortent de façon Ça vous arrive d'avoir des trucs un peu chelous, j'allais dire, des informations comme ça qui sont... espionner vraiment. Vous n'allez pas me donner les noms. Hein. Non, mais tous les services informatiques de toutes les entreprises, de toutes les organisations du monde sont en permanence attaqués. C'est un fait. Tout le monde est toujours attaqué. Le problème, c'est que les hackers sont de plus en plus créatifs et vont utiliser des nouvelles techniques. Et l'informatique va devoir se charger de trouver les bonnes contre-mesures pour bloquer ces hackers, que ce soit parce qu'ils veulent faire tomber vos applications ou parce qu'ils veulent sortir de la donnée ou se servir de vous pour aller générer une attaque ailleurs. Et alors concrètement, on fait comment c'est une surveillance Vous avez un filtre, c'est ça ? Donc il y a des solutions comme ce qu'a pris Roland-Garros avec les solutions des fiches Antaipi qui permettent premièrement d'absorber une charge énorme. Ce qu'ils ont installé, ça permet d'absorber 60 fois plus que ce qui était disponible avant. Ils ont vu très large. Vous savez qu'une personne va connecter entre deux ou trois appareils.
Oui. Donc il y a combien de personnes à l'instant T sur Roland-Garros, un smartphone, une tablette, ça fait deux, on multiplie. Donc ils ont installé ce qu'il fallait pour supporter la charge pendant ces 15 jours. Et puis surtout, pour éviter des problèmes de sécurité en entrée et en sortie. C'est-à-dire que comme cette partie de l'infrastructure est très performante, ça assurera que la télé peut toujours diffuser, que les photographes puissent envoyer leurs photos, et puis que rien ne sorte illégalement du réseau de Roland-Garros parce qu'un malware était installé sur un ordinateur d'un journaliste. Sur Twitter, on a une petite question, c'est Dorian qui nous dit « WannaCry à Roland-Garros, il faut éviter ça ». Franchement, c'est un cauchemar pour vous, un WannaCry qui pourrait se diffuser comme ça, se propager pendant le tournoi? Alors pour nous, non, pour nos clients non plus, parce qu'ils seront sécurisés. Mais si le client n'a pas, si le client, je parle de la direction informatique, n'est pas équipé correctement, ça vient très très vite et ça se déploie très très rapidement, un virus comme WannaCry. D'accord, ok. En tout cas, vous savez quoi, si vous voulez surfer de manière sécurisée, venez à Roland-Garros. Comme ça, vous pourrez éventuellement regarder un match, mais en plus envoyer des mails complètement confidentiels. On a l'impression que ça va mieux depuis d'année en année, à la fois en termes de bande passante, d'accessibilité. Roland-Garros a fait ce qu'il fallait. C'est équipé des bonnes solutions parce que quand vous avez 2000 journalistes, 40 télévisions, des milliers de VIP peuvent pas se permettre d'avoir un réseau qui soit lent. Et Bernard, j'imagine que le piratage de France Télévisions, ça c'est un cauchemar horrible. C'est pas possible ça. C'est pas un cauchemar, c'est un métier, non pas de pirater, mais de protéger son entreprise. C'est ça. Et tous nos experts vous le diront tous les jours. Et ces mêmes experts sont ici. C'est-à-dire que notre direction informatique est présente ici. On a fait une excroissance de notre réseau, on l'a prolongé jusqu'ici. La totalité des équipements qui protègent nos infrastructures techniques du siège de France Télévisions sont déportés ici à Roland-Garros dans un réseau totalement privé qui est le nôtre, qui est étendu, on n'est pas très loin, on est à quelques kilomètres de notre siège. Mais bien entendu, les préoccupations de sécurité sont les mêmes, qu'on soit ici à Roland-Garros ou qu'on soit dans le 15e, là où est notre siège. Parce que ça nous paraît fou comme ça, mais il y a une chaîne de télé, c'était TV5 il y a quelques années, qui s'est fait pirater. L'histoire est célèbre. Voilà, la chaîne a arrêté d'émettre parce que quelqu'un avait piraté tout le système. C'est quand même incroyable. Ouais. Donc c'est pas que du... c'est pas un fantasme. Ça peut arriver. Regardez ce qui s'est passé il y a 15 jours. Il y a un constructeur de voitures français qui a arrêté ses chaînes de production. Les hôpitaux en Angleterre étaient incapables d'opérer. C'est pas de la science-fiction. C'est sûr. Tout à fait. C'est clair. C'était Renault, je crois. D'ailleurs. Je crois. C'était Renault. Ça tombe bien parce qu'on va parler de Peugeot maintenant. Ouf, chaud comme ça au moins, c'est une belle transition. Merci en tout cas. Magnifique. Merci. Alors, tu es allé faire un tour en voiture autonome. Oui, parce que en fait, Roland-Garros, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, une espèce de showroom de nouvelles technologies qui n'ont pas grand-chose à voir avec le tennis. On s'en rend compte. Et notamment, j'ai pu tester, Jérôme, une voiture totalement autonome. Et c'est la 3008 de Peugeot. C'est la nouvelle 3008. Alors, c'est pas la peine de courir chez le concessionnaire. Oui, elle n'est pas encore disponible. Et elle est quand même assez impressionnante. On va vous montrer quelques images. Parce que déjà, je ne sais pas si on peut voir le coffre aussi, si JD a des images du coffre de cette voiture. Déjà, là, on voit le mannequin qui pénètre à l'intérieur du véhicule. C'était moi, ça, le mannequin ? Oui, tout à fait. Voilà, voiture tout à fait normale. Et là, si tu veux, je suis monté à l'intérieur et j'ai lâché le volant. La voiture se pilotait toute seule. C'est-à-dire que tu as un bouton. D'accord. Un peu comme ta Tesla que tu as testée il n'y a pas longtemps. Ouais. Tu appuies sur un bouton et ta voiture... La Tesla n'est pas une voiture autonome, attention. Voilà. Celle-là... La nuance est importante. Celle-là, on est au stade 3. C'est-à-dire que c'est eyes off, je crois. Je crois que ça veut dire ça. C'est-à-dire que tu n'es plus obligé de regarder en fait, le pare-brise. D'accord. Tu es encore obligé de tenir en fait, le volant. Ah, tu es obligé de tenir le volant. Oui, okay. Là, dans ce cas précis. Alors là, pour la démo, je ne tiens pas le volant. Mais donc là, la voiture... conduit toute seule, voilà, sans les mains. Mais alors, il faut préciser que tu as fait ça parce que c'est un parcours qui est privatisé. Qui est privatisé, en réalité, on n'a pas le droit de faire ça. Non, évidemment, c'était privatisé. Mais ça marche, c'est-à-dire que cette voiture, tu l'amènes sur le périphérique parisien, elle se débrouille toute seule. Oui, bien sûr. Vraiment, toute seule. Mais alors, elle sort quand ? C'est juste un proto ou bien c'est... Alors, ça va arriver, Bernard, je crois, d'ici la fin de l'année, ce véhicule... Alors, on a tenu, c'est un partenariat avec Peugeot, France Télévisions et Peugeot, ça fait deux ans... Il y a encore du France Télévisions là-dedans ? On est encore dans cette aventure, bien entendu, parce que... Il y a une antenne énorme sur le toit... L'utilisation d'un véhicule autonome, mais surtout l'usage qu'on pourra faire des médias à bord d'une voiture qu'on ne conduira pas, est très très important. Donc, vous savez, aujourd'hui, la voiture est quand même un endroit qui est très utilisé pour la radio FM depuis plus de 50 ans.
aujourd'hui est à l'intérieur de la voiture, mais cette voiture qu'on ne conduira plus, eh bien, pour nous, ça nous intéresse d'imaginer cet avenir d'utilisation. On est dans quelques années. Eh bien, mais on non, pourra, Bernard, on les gens continueront à écouter la radio. On continuera à écouter la radio. Là, tu vois, c'est vrai que je, en fait, la voiture conduisait. On pourra regarder le tennis. Et je pouvais regarder le tennis, bien entendu. Donc, c'est ce type d'expérience qui nous a beaucoup intéressé avec nos confrères de la direction scientifique de Peugeot qui ont amené cette voiture. Et on a pu tester cet usage d'avenir. On a même été beaucoup plus loin, parce qu'on a même préparé un assistant virtuel qui répond à vos questions. Et les équipes de Peugeot étaient aussi intéressées par ça. C'est que vous allez poser une question, comme vous le faites aujourd'hui sur Siri, et sur cet assistant virtuel Made in France Télévisions, qui s'appelle l'IA, à bord d'une voiture comme celle-ci. Vous demandez à voir, je veux voir France 2, et France 2 démarre dans votre voiture. Ah oui, c'est il beau. Va chercher les séquences qui nous intéressent, la chaîne qui nous intéresse, etc. Et par exemple, veux les derniers programmes avec Donald Trump, si tu es fan. On les a une sélection en fait de programmes avec Donald Trump à l'intérieur. Ils s'en passent tous les jours de toute façon avec Donald Trump. Ah, ça c'est clair. Voilà. C'est de mieux en mieux. On a fait un tour sur l'autoroute A13 avec cette voiture. On est un petit peu plus loin et ça marche super bien. Mais tu te rends compte que cette voiture, il y a 7 radars, 5 scanners laser qui détectent en 3D en fait les trottoirs, etc. Et en fait toutes ces technologies en fait sont redondantes pour arriver à la perfection de la détection. Voilà, il y a même 5 caméras de reconnaissance d'image. Elles sont là pour détecter les voitures, mais par exemple un animal ou un être humain qui passe, ou un piéton qui passe devant le véhicule, ça c'est impressionnant. Voilà, c'est le genre d'équipement qu'on trouve sur toutes les voitures autonomes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même plusieurs. Oui, mais si tu veux... Il y a les Google, oui, mais l'addition de toutes ces technos font que ça sera peut-être le futur de la voiture autonome. Alors bon, le problème, c'est que ce véhicule qui est prototype coûte 300 000 euros. Voilà, à part ça, tout va bien. Ah oui, puis il n'y a plus beaucoup de place dans le coffre en plus. Alors voilà, pour aller faire tes courses après, juste à côté ou à l'hypermarché, ça va être compliqué. Ça, c'est un peu embêtant. Puis là, pour te faire hacker, bon, on en reparlera. Oui, voilà. Question 01net Orange. Le sport à la télé est-il un prétexte pour passer à l'Ultra HD selon vous? Est-ce qu'un événement comme Roland-Garros ou comme les Jeux Olympiques qui vont arriver, peut-être en France on l'espère, vous inciteront à acheter un téléviseur, un équipement de télé HD? Oui à 42%, non à 58%. Ultra HD, pardon. Voilà, vous pouvez continuer à voter, www.01nettv.com. Et bien voilà, ce 01 Live Hebdo depuis Roland-Garros est terminé. C'était un vrai plaisir de vous retrouver ici depuis ce lieu mythique parisien en pleine quinzaine de Roland-Garros. Merci à nos invités, merci à Jean-David Duarte, Noémie Lefebvre-Marek, Thomas Remilleret et Pierre Thiolin qui ont assuré la partie technique. Et merci encore à France Télévisions et à Bernard Fontaine de nous avoir accueillis. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouvera la semaine prochaine. On sera dans un autre lieu mythique. On va parler de Disneyland et de Star Wars la semaine prochaine. Mais on vous en parlera dans quelques jours. Et puis on sera aussi à Vivatech, ce grand rendez-vous de la high-tech qui a lieu la semaine prochaine à Paris, Porte de Versailles. On y sera jeudi, vendredi et samedi prochain. Voilà, vous savez tout. Continuez à nous suivre sur 01nettv.com. Portez-vous bien. À très vite. Salut à tous.